Bonjour et bienvenue sur Idées déco-peinture. Sur une toile de format A4, nous allons faire un effet aquarelle. Pour prendre la main, nous allons commencer par une couleur claire, sachant que nous allons faire un ciel obscur. Donc, nous allons procéder par étapes. J'ai pris le bleu ardoise et je l'ai dilué avec un peu d'eau. Puis, je prends un gros pinceau rond. Je fais d'abord une première rangée, puis la deuxième rangée, je dilue avec un peu d'eau ce même bleu ardoise et je viens tirer ce léger bleu ardoise vers le centre. J'ai été impatiente et j'ai voulu sécher au sèche-cheveux niveau très bas, mais ça déplace quand même la couleur. C'est une technique, mais je ne souhaite pas l'utiliser ici. Donc, pour les prochaines étapes, j'attendrai le séchage à l'air ambiant. Cette fois, je vais prendre du noir, dilué avec un peu d'eau pour plus de fluidité. Et je recommence le procédé pour obscurcir au fur et à mesure, et couche par couche. J'ai aussi mis une couche de couleur indigo pour des légères touches bleutées. Puis, j'ai éclaboussé des gouttelettes pour un effet de style. Tout est sec, je prends une petite brosse et avec la peinture blanche, j'éclabousse pour créer la neige. Je trouvais la nuit pas assez sombre, donc je remets une couche de noir dilué. Optionnel, j'ai pris le pochoir fond 17 et j'ai frotté avec un peu de cire bleutée pour des reflets sympas, mais qui ne sont pas assez apparents sur la vidéo. Ensuite, avec un pinceau fin et du noir dilué à l'eau, je commence par faire les arbres. J'ai pris le pochoir chute et avec la pâte à texture, j'ai étalé une première partie du message car je vais le disposer autrement. Au début, il faut bien tenir le pochoir le temps que la pâte l'immobilise. J'attends que la pâte soit bien sèche avant d'étaler la seconde partie du message. En attendant, je décide de rajouter encore des flocons de neige sur le paysage. Je mets du ruban adhésif sur le pochoir, sur le reste des messages où je ne souhaite pas déposer de la pâte. Et j'étale le reste du message avec la spatule.
Et voilà, je n'ai plus qu'à l'encadrer et le mettre sur mon mur. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner et moi je vous dis à très bientôt. Bye!